Hello les amis, c'est Solo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci c'est le défi gâteau qui m'a été... J'ai été nommé par Titrax pour ce défi. Allez, on relève, on crée un nouveau monde, on va l'appeler Cake. Histoire de faire bien, nouveau monde aléatoire. Et il faut arriver à faire un gâteau en un minimum de temps. Voilà, c'est le petit défi YouTube du moment. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Titrax, je mettrai son lien sur ma chaîne dans la description. Alors, on va prendre tout de suite ça. Qu'est-ce qu'il y a par là? Des moutons et des cochons. Tout ce qu'il ne me faut pas. Ça commence très bien. Ok. Allez voir là-bas, ça a l'air d'être à moitié de... Ah. Ça c'est déjà plus intéressant. Des vaches, il faut juste que je repère où elles sont. Et puis on va plutôt s'intéresser à trouver. Donc ça c'est bon. À trouver des... Comment ça s'appelle? Des poules. Est-ce qu'il y aura des poules par là? Il y a du fer ici. Ça peut toujours être intéressant aussi. Allez, on va commencer à faire l'outillage de base. On connaît les bases de Minecraft, tout bête, couper du bois pour commencer tout outillage. Allez, hop, tac, on va descendre ici, à la tranquillou. Je vais essayer de faire de quoi. Merde, faut pas pouvoir remonter, c'est pas grave. Allez, hop, on va faire ça tout de suite. 1, 2, 3, voilà. Ma souris colle. Tac. On va faire ça. On va faire ça. On va commencer à couper. 1, 2, 3. Tac. On va faire tout de suite un peu mieux. Et puis de toute façon, le fer, on ne peut pas le prendre avec la pioche en bois. Il n'y en aura qu'un. Le seul et l'unique. Je vais faire... non, je vais faire ça. Tac. On va faire ça. Tac. Il m'en faut encore un petit peu plus. Donc on a rien à faire. C'est déjà pas mal, mais c'est pas terrible. Puisqu'il nous en faudra 7. 7 pour la suite. Ok, on va faire un peu plus de bois. Faire aussi une... Merde, j'ai déjà fait. Wow, bravo. C'est pas ça que je voulais faire, c'était là où, en plus. Bravo. Où c'est que j'avais vu? Là-bas, ça continue. On va se prendre tout de suite un peu de charbon. Ça peut toujours être pratique. On sait qu'il y en a ici. Alors. Voilà. 9 charbons, c'est déjà pas mal. On va aller voir un petit peu là-bas. Couper cette eau. Est-ce qu'il y aurait... Faire tout de suite quelques torches. Hop. On va mettre l'épée. Ben alors. Je ne l'ai pas mise. Ok, pour du fer. Ok, pour un creeper. Et décidément, c'est infaisable. Bon, espérons qu'il y en a un peu plus. Ce coup-ci. Ça a l'air beaucoup plus sympa. Je prévois une remontée directe au cas où. C'est bon, il y a ce qu'il faut. Allez, une de plus.
toujours être pratique. Voilà. Ça c'est fait. On peut s'en aller. J'aurais dû d'ailleurs. Vous allez comprendre pourquoi. Ça peut peut-être toujours être intéressant. On va laisser éclairer jusque-là. Je vais essayer de retourner. Je vois plus rien. Là. Ici. Et on va remonter par là. Hop. Merde, c'est vrai qu'il y a avec ça. Pas pratique. Du coup, couper un peu de bois en plus. Peut-être. On va tout de suite faire. Avec le four, faire cuire. Je vais attaquer ça et ça. On verra après. Je vais aller regarder tout de suite si je trouve de quoi manger. Ça donne masse dégâts, c'est super. Oh, coucou. Allez. Voilà. 6, il y a pas mal d'absos là-dessus, c'est pas mal. Il y avait une autre jolie petite caverne ici. Allez, hop. On va faire ça tout de suite. Tac. Ah merde, il n'y a plus rien. Il y a des poules là-bas. Il y a des poules, il y a des poules, il y a des poules. Du coup, est-ce qu'elles auraient déjà commencé à pondre? Je les avais pas vues au départ. Oui, je vois un œuf. Superbe. Superbe. Normalement, je crois qu'il ne m'en faut qu'un, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à faire les plantations. Je vais les planter là-bas, au bord de l'eau. Ok, on va se mettre ici. Merde, du coup, j'ai pas fait ma houe que je voulais faire tout à l'heure. Tac. Tac. Ça c'est bon, on va mettre ici. On va plus décaler là, tant pis. Ok, là où? Elle est là. 5, je sais pas combien j'en ai. 7, ça d'ailleurs on va le transformer. Ça sera fait. Tac, tac, tac. Tac, tac. Allez, voilà. Et là c'est bon, on va prendre un peu de nourriture. Pendant ce temps, je vais faire une épée. Merde, j'ai plus de. Si, si. Une épée un peu plus costaud. Les deux seaux qui restent. On va les chercher tout de suite, d'ailleurs. Le lait. On va essayer d'aller redescendre un peu dans cette caverne. 3. Ça, je peux le dégager. Ça, je peux le dégager. Voilà, je vais en garder un peu pour tout à l'heure. On va manger tout de suite. Ouais. Super. Viens là. Bonjour. C'est pas grave. Oh, wow. Non, par contre, ça, les deux à la fois. Ça va pas être possible. Reste là. Merci. 2. Juste attendre un poil de plus. Là, je vais casser. Merde, si je casse dessous, moi, ça va pas faire. Hop. Du coup, un peu mieux de bouffe. Allez, 2.
Tac, lequel je vais choisir? Deux. Celui-là. Deux. Et lequel? J'ai envie d'attendre 3 secondes de plus histoire d'être sûr d'avoir de la pousse. Quoique la nuit va tomber. C'est bon. J'étais pas sûr de l'avoir. Des fois, c'est assez random. Eh ben, je crois qu'on a tous les amis. Hop, donc on va poser les 3 sauts de lait ici. Je crois que ça va en bas. Un œuf ici. Et voilà, le défi gâteau est terminé. Clac. On va d'ailleurs manger un petit peu. Bon, je dirais que là, le spawn a été agréablement favorable. Ça s'est plutôt bien passé. L'idée, c'est ça. Ça dépend un petit peu comment vous attaquez, qu'est-ce que vous avez à proximité. Si vous trouvez rapidement des vaches, et je les avais même pas vues en plus les poules là-bas au début, c'est qu'après que j'ai vu qu'il y en avait. En plus, comme j'étais pas loin, du coup elles avaient eu le temps de spawn, enfin de elles avaient chargé et donc elles avaient commencé à pouvoir pondre. Et donc j'en profite un petit peu sur cette vidéo pour expliquer un petit peu ma non-activité sur ma chaîne. Certains le savent, mais d'autres pas forcément. Durant le dernier trimestre 2016, j'ai perdu mon père, qui est décédé d'une longue maladie. Donc, ça a été une année 2016 assez compliquée pour moi. Et entre autres choses, en plus, il me reste ma maman, mais c'est une personne handicapée suite à un AVC il y a déjà pas mal d'années. Et donc, ben, il a fallu que je m'occupe de beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place pour elle, pour l'aider, lui trouver un nouvel appartement beaucoup plus adapté, l'aider pour la paperasse, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que du coup j'en avais mis un petit peu mon activité professionnelle de côté. J'ai la chance ou la malchance, je sais pas, d'être patron de ma propre société d'édition de logiciels, à mon petit niveau je vais dire, hein, création édition de logiciels. Et du coup, wow, c'est juste infâme ça. Bon, enfin il va me tuer lui, c'est pas grave. Hop, on est passé par-dessus. Et donc, bah, j'avais mis un petit peu mon activité de côté, en me disant que voilà, j'avais d'autres priorités pour l'instant. Et du coup, bah, je jouais quand même pas mal de temps, enfin pas souvent à Minecraft, je dirais, pour me détendre, pour me ressourcer un petit peu. Et du coup, ça m'a permis à l'époque de créer pas mal de contenu, pas mal de petites vidéos. Ça me vidait un petit peu l'esprit de choses assez douloureuses et pénibles. Mais bon, voilà, ça commence à se remettre petit à petit en place. Ma mère est bien installée, ça va. Il me reste encore un petit peu de paperasse à faire pour elle, et puis il y a encore beaucoup, beaucoup de choses. Mais bon, la vie continue malgré tout. J'ai repris aussi de mon activité professionnelle. Donc, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles j'étais en retard. Et puis il y a des nouvelles normes fiscales pour moi qui m'imposent d'avoir d'énormes changements dans mes logiciels, niveau sécurité, traçabilité des données, etc. etc. Sans rentrer dans les détails. Et donc bah, je suis obligé de m'y mettre un peu plus, sans trop savoir où je vais, où je mets les pieds. Mais bon, je continue quand même, tant bien que mal. C'est pour ça que j'ai un peu moins le temps de faire du contenu en ce moment, mais je vous rassure, j'ai quand même entre-temps décidé de me payer un autre disque dur, histoire de pouvoir forcer un petit peu des vidéos, en faire un petit peu plus. Le Skyblock, c'est sûr, je vais le continuer. Par contre, Batitrax, si tu regardes cette vidéo, je ne sais pas finalement si je vais pouvoir vraiment continuer l'aventure Crazy Cube. Ça demande beaucoup de temps. J'avais plein de projets, mais ça demande beaucoup, beaucoup de temps de préparation. Après, si on veut tourner quelques vidéos, faire des trucs assez sympas, ben
voilà, ça se prépare, il faut faire des trucs, il faut faire du montage, il faut faire de la prépa, et j'en ai pas tellement le temps en ce moment. Donc le format Skyblock pourrait peut-être passer à un toutes les semaines. Ça me permet peut-être des fois d'y jouer un petit peu, de préparer mes épisodes et puis montrer un petit peu ce que je fais après en live sur. Comme ça me permet de faire des montages et tout. Mais le reste sera peut-être plutôt des petites soirées PVP, des choses comme ça. Voilà, et donc pour finir, excusez-moi, j'ai coupé Minecraft comme un idiot. Et pour finir, donc je vais nommer un petit peu la B-Team pour ce défi. Il y aura Thomas, il y aura Choup. Et puis je verrai un petit peu avec les autres de la B-Team s'ils veulent en faire des vidéos. Je verrai avec eux. Et puis il y aura sûrement les liens dans la description de tout ça. Voilà. Donc les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures sur Minecraft. Allez, ciao, ciao.